Ouais, tu peux mieux, oui, j'ai un petit peu mieux. Désolé, OK. Écoutez, ce ne sera pas tellement long. Je voudrais juste savoir, quand vous faites des prêts pour des maisons, là, moi j'ai beaucoup de clients. J'ai beaucoup de clients là, qui ont acheté des maisons l'année passée et puis là, sont pris pour remplacer le système de chauffage. Puis ça m'occasionne beaucoup de problèmes. Est-ce que vous vérifiez ça avant de faire un prêt pour une maison, que le chauffage soit changé? une banque qui, il n'y a pas une banque qui demande ça. Non? Ah, mais quand on refinance une maison, là, est-ce que vous, c'est des constructions neuves? Non, non, des maisons usagées, là. OK, des maisons usagées. Bon. Non, non, le client, il faut faire attention, monsieur, parce que si le client veut refinancer, puis qu'il a acheté il y a un an avec 5% de mise de fonds, malheureusement, il ne peut pas, là. C'est impossible. Oui, parce que là, qu'est-ce qui arrive? L'année passée, j'ai frappé à peu près une dizaine de clients qui venaient d'acheter les maisons, ça faisait un an, 2 ans. Et puis là, le système de chauffage, il était au R22, il était obligé de remplacer le thermopompe, le fournaise, tout ça. Et puis là, ben, il dit, si la compagnie prêteuse me l'aurait exigé, ben moi, je ne serais pas dans la merde. Les banques ne vérifient jamais ça, à moins que dans la fiche descriptive de la maison qui était en vente, c'était écrit, exemple, système de chauffage devra être changé sous peu. Là, le prêteur peut l'exiger. Mais quand il n'en parle pas, si le client fait faire une inspection en bâtiment, ben, à ce moment-là, lui qui surveille d'abord puis qui poursuit son gars d'inspection. Mais la banque, elle n'est pas, elle ne s'occupe pas de vérifier si le système de chauffage est bon ou pas. Est-ce que je Vous avez des clients, monsieur, qui veulent voir s'il y a une faisabilité, ben, vous avez juste à leur donner mon numéro de téléphone, OK, avec mon nom. Quand ils m'appellent, puis là, vous direz votre nom à vous, que je sache que ça vient de vous. Puis moi, je vais regarder s'il y a une faisabilité dans leur dossier de refinancer pour payer le système de chauffage. Les gens, ils ont acheté leur maison l'année passée, puis ils ont mis 20 % de mise de fonds. Oui, à ce moment-là, on est capable de refinancer la propriété, là. C'est parce que c'était un gros handicap. Moi, j'ai vécu ça, là, ça fait 2 ans que je vis ça, là, puis là, à ce moment-là, les gens me disent, ben là, moi, la banque ne veut plus me prêter, là, parce que j'ai emprunté au maximum, puis là, ben, ça coûte 12 000 à 15 000 $ changer mon système, il faut changer ma fournaise, j'ai une 3 tonnes ou une 5 tonnes, mais là, les banques ne veulent plus nous prêter, là, ils sont vraiment mal pris. Qui ont acheté il y a un an, qui étaient déjà au maximum, je vous confirme qu'ils ne voudront pas aller de l'avant. Ça, c'est sûr et certain, à ce moment-là, pour qu'ils trouvent un moyen d'avoir une deuxième hypothèque, soit avec Fairstone, des choses comme ça, mais même eux autres ne voudront pas aller à plus que 80 % de la valeur de la propriété. S'ils ont acheté l'année passée en mettant 5 %, ils sont pas encore à 80 % de la valeur de la propriété qui est hypothéquée. Fait qu'ils vont avoir beaucoup de misère, eux, à trouver. C'est vraiment un gros handicap. Hein. Je ne sais pas comment pouvoir régler ça. Parce que j'ai beaucoup de clients là, qui sont vraiment mal pris depuis une secousse. Là, puis là ben, j'essaie d'expliquer ça. Tu n'achètes pas une Mercedes de 500 000 km, c'est un financement de 5 ans. Là. Puis, une maison de 500 000 avec un chauffage qui est déjà handicapé, qui n'a plus de garantie, rien, qui peut coûter 12 à 15 000, c'est un gros. Autrement dit, c'est un vice caché parce que le gars, il a du freon R22 où on ne peut plus en mettre dedans. Fait que c'est pour ça que ce serait important aux banques de ne pas prêter s'il n'y a pas un système qui est adéquat. Parce que c'est. Ça, c'est les banques, hein, vous comprendrez. C'est pas moi qui décide des règles des banques, c'est eux autres qui les mettent en vigueur. Mais pourtant, ils sont assez up-to-date habituellement. Mais bon, mais comme je vous dis, là, je vais vous donner mon nom. Et mon numéro de téléphone personnel, dites à vos clients qui m'appellent. Okay? Puis moi, je vais regarder dossier par dossier si on a une faisabilité d'aller chercher une deuxième hypothèque pour couvrir le montant. Des fois, c'est des montants de 15 000. Une deuxième hypothèque, 15 000, et des fois, ça peut être difficile à aller chercher. Hein? Oui, c'est ça. Vous, Multiprêt, vous faites affaire avec plusieurs banques. Oui, pratiquement toutes les institutions, monsieur. Oui. Bon, ben, ça serait de vérifier, voir avec les banques, voir si les banques, ils pourraient pas exiger ça quand ils financent une maison, exiger que vérifier le chauffage, parce que si le chauffage est au R22, le client, il y a des gros problèmes par après, là. Ah, je comprends, monsieur, mais vous comprendrez que je peux pas dire aux banques, d'aller vérifier ça. Si
c'est pas dans leur règle interne à eux autres. Non, mais... Leur règle, c'est faite à Toronto. Je vous dirais que juste essayer de penser de faire changer quelque chose à une banque, quand ça vient de Toronto, c'est déjà un exploit. OK, je vais prendre vos coordonnées, monsieur. Vous êtes mis le prêt. Exactement. Donc, mon nom, c'est Stéphane Morin. Oui. Et vous pouvez me rejoindre au 514. Oui. 217. Oui. 2808. 2808. OK. Moi, mon nom, c'est Michel Fortin. Non, à vous, monsieur, c'est quoi? Michel Fortin, Thermopompe. Fortin, Thermopompe. Parfait. 514-602-8151. Parfait. Est-ce que vous avez un courriel, monsieur? Je peux vous envoyer un courriel à ce moment-là de mes clients? Ben oui, ben oui. Donc, S comme Stéphane, S-M-O-R-I-N. Oui. Commercial. Oui. Multi-MULI. Oui. Lien d'union. Oui. Prêt, P-R-E-T-F. Oui. Oui, C-A. Merci beaucoup, monsieur. J'ai bien gentil. Ben, merci, monsieur. Puis, mais même pour vos futurs clients qui veulent changer leur système de chauffage et qui veulent du financement, vous pouvez donner mon nom, monsieur. Là, et ça va me faire plaisir de traiter les dossiers de vos clients. Bon, mais vous êtes bien gentil, mais j'en ai beaucoup qui sont mal pris, là. Bon, ben parfait, monsieur. OK. OK, merci, bye. Bonne journée à vous, au revoir. Merci, bye.